Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la pyramide, ce nouvel épisode de Fallout 4. Donc, on va reprendre nos missions dans le précédent épisode. On va aller rejoindre l'Arc Jet avec notre paladin Dance. Ou Danse, hein. Danse avec les stars, ça sera ça le nom de l'épisode. Oh, bah tiens, le voilà. Normalement, attention, voilà, il est un peu moins bleu en fait, vous voyez, dans cette le noir. Section est privée de courant. Donc j'ai pas vu ce qu'il a dit, attention, vous mettez les pieds, j'imagine. Oh. Regardez-moi tout ça. Nos scribes s'en donneraient à cœur joie ici. Tu m'étonnes. Ah bah voilà le fameux XMB. Non, je serais bien monté là-haut, moi. Alors. L'émetteur devrait se trouver dans la salle de commande, au-dessus du réacteur. Mais l'ascenseur a l'air hors service. Il faut continuer à descendre et essayer de rétablir le courant dans le complexe. Il doit bien y avoir un générateur auxiliaire quelque part. Allez explorer la zone de maintenance. Je reste ici pour couvrir nos arrières. Ben oui, t'es un pétochat. Donc ça, je passe par là. Le courant est coupé. D'accord. Ok, faut que je vienne en fait leur appuyer là. Forcément. T'as pas des munitions sur toi par hasard. Je peux pas le fouiller. Dommage. Le courant est coupé. Ok. Ok. Allons-y. J'imagine que ce sont des... Ouh. Un junk jet. Joli. Le junk jet. Permet d'envoyer en fait tout et n'importe quoi, je crois. Hop. Donc pour l'instant, on va pas l'utiliser. Oh. Si, on va l'utiliser. Junk jet, je te le mets en 8. Hop. Qu'est-ce que j'y mets. Une bouteille de coca. Et 12 barres d'acier. Hop les. Alerte. Perte de puissance détectée. Réacteur désactivé. D'accord. Bon, on continue. Grande boîte à outils novice. Oh. Ah! Bon. Hop, c'est mieux. Ça y est. Tout prend. Tout me semble intéressant, donc on va tout prendre. Ok, terminal des installations. Novice. Alors, si je... Faire easy, y'a rien de ressemblant. Et maintenant, on va aller voir les différentes. Voilà. Mot incorrect, supprimer les différentes. Entre guillemets. Possibilités qu'on a de. De supprimer des lettres. Hop, voilà. Et c'est réinitialisé. Beads, c'était pas beads non plus. Hop. Apparemment ça marchera pas. Alors, notre chance peut-être? Non du tout. Ah. Mot incorrect supprimé. Parfait ça. Alors dans Beads, j'ai une ressemblance. Toujours ça de prix.
Donc techniquement ça va pas être Pete. Ça pourrait techniquement être Guts. Fauze, j'ai une ressemblance. Ouais. Et c'était Guts. Parfait. Option d'alimentation. Acteur utilise directement l'alimentation d'urgence. Pour conserver la nuit, tous les systèmes et les opérations secondaires sont été suspendus. Démarrer le générateur auxiliaire. Hop, alimentation rétablie. Parfait. Alimentation du réacteur rétablie. Moteur thermique alimenté. Merde. Activé et prêt pour la mise à feu. Bon sang. Alors comment qu'on vise avec ce bordel? Bim! Ça fait pas de dégâts! Merde, j'ai visé la tête, quel con! Je rêve ou il a ramassé une arme au sol? Vous êtes en train d'endommager un bien de l'institut. Les pertes sont. Bim, touché. Touché. Système endommagé. Visez leur point faible. C'est marrant, toi. Touché le bras droit. Bien, je voulais qu'il lâche son arme. Ennemi vaporisé. Le réacteur est sécurisé. Remontons à la salle de commande. Putain, le tas de cadavres. Hop. 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 Voilà. Hop. Et hop. Saloperie. Je dois bien avoir un petit peu de bouffe sur moi. Voilà. Je viens par où ça passe. Bouton d'appel. Descente. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça pue. Non, ça va. Tu viens ou pas? Bon bah casse-toi. Montez. Bon, au moins on est sûr qu'ils monteront pas par là. Vous avez entendu ça? Mes capteurs détectent une par présence là, ennemie. Allez-y. Il y a quelqu'un. Votre élimination est nécessaire. Système désactivé. Ok. Restez en position. Ils tiennent la... Bim. J'ai été touché. Évaluation des dégâts. Aïe. De bras endommagé. Ne cédez pas. Tiens, bouffe ça. Oh merde, j'ai raté. Hop. J'espère que c'était les derniers. Pensons. Alors ça me demande aussi pourquoi j'utilise toujours... Ouh, le voilà. Merde. Je le prends. Fouille les synthétiques. Ils étaient peut-être venus chercher la même chose que nous. Partons d'ici. Nous allons prendre l'ascenseur de service pour rejoindre la surface. Si tu veux. Certains me demandent pourquoi j'utilise toujours le pistolet. Bah parce que le 10 mm c'était une mission qui est très commune. Et du coup ça me gaspille pas trop de munitions qui pourraient potentiellement être plus importantes. Donc voilà la véritable, entre guillemets, utilité de la chose. Je vais tout prendre. Vu que je sais que je ne suis pas lourd actuellement. Terminal de commande du réacteur. Oula. Lancer le tir d'essai. Oh. Apparemment, si je peux arriver au bureau inférieur,
Je peux relancer le machin. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une véritable idée. Attends. Comment je fais pour descendre? Bureau inférieur. Moi je veux y aller, moi, ce bureau. Apparemment c'est celui-ci. F5. Oh. Voyons. Bon sang, plus une trace. J'engage le combat à distance minimale. Oh merde. Comment faire ça? Je les tous jusqu'au dernier. Casse-toi. Je l'ai pas vu venir celle-là. Il venait d'en haut. Intéressant. Un coffre. Avancez. Alors. Parfait. C'est bon. Ok. Capsule. Terminal du chef de projet. Ah merde, j'ai pas le niveau requis. Hop. Alors attendez. Expert en piratage. J'aurais pu le mettre. Ah si. Je suis rang 2, je devrais pouvoir le faire, les niveaux experts. Merde, c'est un peu pute ça. Bon. Bah un instant chers amis. Hop, je vais noter ça quelque part. Voilà, re chers amis, donc bah c'est noté, écoutez, hein, je suis vexé parce que normalement je devrais pouvoir le faire et le jeu ne me laisse pas le faire. Donc oui, je l'avoue, je suis vexé, je suis vraiment extrêmement vexé. Un Fat Man, génial. Que je ne peux pas porter, c'est cool. Canigou. Ils sont là. Je devrais pouvoir les rejoindre. Canigou. Hey. Échanger. Bah attends, je donne mon Fatman. Hop. Ah, tu peux rien transporter de plus, t'es sérieux? Tiens, prends mon eau sale. Mes coca. La viande de tes congénères. Merde, il peut rien transporter de plus. Bah, je vais virer ça. Ah, il peut. Bah, du coup, je vais virer des choses de mon inventaire à moi. Hop. Hop, hop, hop. Jeter. Et jeter. Et je porte encore trop de choses. Putain. Valeur 50, je vire. Hop, je peux me déplacer rapidement. Parfait. Pousse-toi. Laisse-moi passer, merci. Montez. Mais non. Descente. Dégage. Montez.
Montez là, oui. Ok. Alors, on a visité celui de là-bas, on n'a pas visité celui-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ah bah. Bah voilà, ça répond à la question, il y avait un 10 mm. Et c'est tout, ok. Oh non! Oui! Oh, je l'ai fait! Je l'ai fait, chers amis! Bon, faudra qu'on vienne faire un essai là-dessus. Hein. Hop! Je me casse! Salut les gars! Panneau d'ascenseur! Par contre, j'aimerais bien un petit peu de lumière. D'accord. J'imagine quand. What? T'en prends la place de l'ascenseur, toi aussi. Comment on a pu monter d'ailleurs? Le bunker a l'air sûr. On y va. Ce bunker a l'air sûr. Tu te rends compte qu'on serait passé par là dès le départ, on aurait gagné du temps. Hein. Wow. On peut dire quand vous croyez-vous aller comme ça. Nous avons beaucoup de choses à voir. Paladin. D'accord. On peut dire qu'on a eu chaud, mais mission accomplie. Bravo. Ça s'est bien passé. Vraiment, je trouve que ça s'est passé à merveille. Nous avons manqué de vigilance. Et les synthétiques nous ont pris par surprise plus d'une fois. C'est inacceptable. Quoi qu'il en soit, vous m'avez été d'une aide précieuse. Je ne sais pas si j'aurais pu mener cette mission à bien sans vous. On fait une belle équipe. Je trouve qu'on forme une belle équipe, vous et moi. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement. J'aime bien l'avoir parce qu'il est classe avec sa grosse armure. Il reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie, modifié par mes soins. J'espère qu'il vous sera utile. L'autorité des justes. Les tirs critiques infligent deux fois plus de dégâts, l'ajout de coups critiques se remplit 15% plus vite. Ouh ! Eh ben écoute, je veux bien le prendre, oui. Vous n'en avez pas besoin ? Vous n'en avez pas besoin ? Ne vous en faites pas, j'en ai un autre. Les soldats de la confrérie ne partent jamais en opération sans armes de secours. Et pour le deuxième point, je voulais vous faire une proposition. La mission ArcJet était tout sauf une promenade de santé. L'opération aurait pu tourner à la catastrophe, mais vous avez gardé votre sang-froid et agi en soldat. Oh. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ah, il veut me faire rentrer dans la confrérie de l'acier. Vous avez donc le choix maintenant. Vous pouvez passer le reste de votre vie de combat en combat. Pendant vos services aux plus offrants pour survivre. Ou vous pouvez vous engager dans la confrérie de l'acier et donner un sens à votre existence. Alors, qu'en dites-vous? Qu'attendrez-vous de moi? Et qu'est-ce qu'on attendra de moi si je m'engage? Vous serez sous mon commandement et vous devrez obéir à mes ordres. Vous pourrez dire adieu à la vie de mercenaire. Cette fois, ce sera du sérieux. Nous vous fournirons des armes militaires de haute technologie, ainsi que votre propre armure assistée. Et le plus important, vous aurez le soutien matériel et moral de tous les soldats de la confrérie. Des camarades prêts à se sacrifier pour vous. Mon offre tient toujours. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ouais. Ouais. Ce serait un honneur de rejoindre la confrérie. C'est ce que j'espérais entendre. Retrouvez-moi au commissariat. Nous allons voir les détails ensemble. Ok. Pas de problème. Ça me dérange pas. Une mission qui s'appelle l'appel aux armes, je suis obligé de la finir comme ça, chers amis. Hein. Je suis obligé de dire oui, hein. Moi-même je fais des vidéos appel aux armes, donc Ah, ça vous le savez. Semper Invicta. Oh. J'aime bien quand ça me parle comme ça. Par contre, ça pue. bon, bah je vais virer le deuxième Fatman. Hein. Ah, ça me fait chier. J'ai pas des trucs à bouffer ou n'importe quoi. Brochette d'iguane, tiens, je la bouffe. Ça, je vire. Ok. Des modes moisis. Non, bric-à-brac, j'ai quoi? Qui pèse lourd. Main d'écorcheur, qui importe des cuirs et des os.
Oh la vache. Hop. Hop. Voilà. On vire ce bordel là. Et on rentre donc à... on va aller où? On va aller... on va aller à Good Neighbor. Et on va aller voir le robot. C'est surtout que l'avantage, c'est surtout qu'en fait, ils sont très très près du point de téléportation. Ce qui fait que du coup, bah, on a accès rapidement à deux vendeurs. Ce qui est très pratique. Je trouve. Alors. Alors. Yo. Vous avez déjà été chez Kill or Becky? Cléo. J'espère que vous allez acheter quelque chose. Je n'ai pas toussé. Oui, oui, c'est bon. D'accord. On va vous trouver ce qu'il... Terreur. Ouh, j'aime bien quand elle me parle comme ça. Bout en train. Attends, tu permets. Hop, merci. Une masse, un machin, un truc, un bidule, revolver de fortune. Canon compact 44, ouais d'accord. J'aimerais te vendre un Fatman. En échange, j'aimerais t'acheter... des munitions de... Voilà. Ok. Au niveau de tout ça, hop, 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 hop. Le radix, on m'a dit de le garder. Le stealth bug, je vais le garder pour le... pour la forme, entre guillemets. Ok, maintenant je vais pouvoir utiliser mon 44. Le bric-à-brac, je le garde. L'autorité des justes, ça a l'air sympa ça. Normalement j'avais un pistolet laser, un pistolet gel, un fusil laser. Fusil pulseur, voilà. J'avais pas de fusil laser sur moi, d'accord. Hop. Je pense que le pistolet laser, je vais le virer. Et que je vais garder le fusil. Hop. Donc en échange, j'aimerais t'acheter quelques munitions. Hop. Voilà, je te remercie, t'es pauvre. Alors maintenant que j'ai vendu le pistolet laser, j'aimerais mettre le fusil donc il m'a donné. L'autorité des justes. J'aimerais le mettre en neuf. On va voir ce que ça donne quand même. Ok, très classique jusque là. Faut tout le temps garder la main sur son flingue ici. Ok, modifié. Canon long. Il a exactement la même tronche, c'est dommage. Ok, crosse complète. D'accord. Poignée tireur d'élite. Crosse complète avec compensateur de recul. Donc forcément celle-ci est bien mieux. Sans bouche. Ok. Faudra bien lui trouver un truc à celui-là aussi. Hein.
Je peux pas le renommer, d'accord. Je vais le garder comme ça, comme il s'appelle. Ok, pourquoi pas. Bon, j'ai une chier de munitions pour les utiliser maintenant, donc je vais pouvoir le faire. Donc c'est cool. Données. Donc celle-là, on va pas la prendre. Suivez le chemin de la liberté. Donc, apparemment, il faut que j'aille à l'étang du cygne. Parler à Preston, connaissance publique à la bibliothèque de Boston. Ça peut être intéressant. Hop. On va passer par là, et on y va. Hop. On s'y rend dans cet épisode. En même, on va peut-être le commencer avec un peu de chance. Hop. Alors, c'est un peu long là. Ah, je préfère. J'ai laissé quelques cadavres en fait derrière, hein. C'est un peu violent. Hop. Non, avant d'y aller, on va aller faire autre chose. Parce qu'il le faut, on va aller à Sanctuary. On va récupérer un maximum des objets que j'ai pu mettre sur moi et sur l'autre toutoune là, le chien, Mid Dog. Et on va aller ranger tout ça. Non, je vais pas le faire ça en off parce que sinon, si Preston ou une attaque se lance, je vais pas penser à lancer. Ce qui serait con, ce qui serait très très con, je confirme. Allons-y. Stocker bric-à-brac. Hop. Hey. Et non, te barre pas. Voilà. Tout prendre. Vous transportez bien trop de bardards. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me... Il me prend pour un con en plus. En pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. Ok, pauvre garçon. Le Fapman, d'accord, effectivement, oui. Fusil pulseur. On est déjà un, pardon. Hop. Alors, là-dedans. Transfert. Armement. Criolateur, on n'a pas assez de munitions. Fusil pulseur, faut absolument que je le garde, il est efficace. Le Junk Jet, j'ai pas trop envie de le garder. Quel le mafioso, je peux le déposer. Lance-missile, j'ai 32 missiles, faudra que je les utilise. Roulette laser, actuellement, j'en ai pas besoin. Batte de baseball, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop, celle-ci non plus. Ok. Et au niveau du reste, mes tenues. Hop. Là aussi, on est bon. Et là, j'ai les trucs à vendre. J'ai les trucs à vendre en grande quantité. Donc, on va aller le faire. Vu qu'on n'y a pas pensé, on va commencer par aller au Drumlin Diner. Hop, allez. Parfait. Le magasin est ouvert. Qu'est-ce que ce sera? Bonjour Cersei. Alors, ce sera de la vente. Que de la récup. Vengeance du général Chao. Pourquoi pas? C'est des armes sympas. Hein. Ok. Voilà. Et moi, je te vends en échange. Donc, elle a un total de 600 et quelques. Hein. Même 700 et quelques.
Hop. Voilà. Ou alors... Ah merde, j'ai peut-être fait une connerie, chers amis. J'ai peut-être fait une connerie. Attendez. Putain, j'ai fait une connerie, c'est pas grave. On va pouvoir... C'est pas complètement raté. On va à Diamond City. Vous allez voir. Ah, oh, elle est belle, celle-là aussi. Fusil à clous. Capable de trancher les membres et de les empaler au mur. Miam, miam, miam. Alors. Voilà. Alors, on va aller dans le truc de science. Vous allez me comprendre. Vous allez me comprendre très, très vite. Voilà. Atelier de chimie. On peut peut-être se faire de l'XP. Hop. Ah, bricolage en terre, désolé. Voilà, déjà ça. Qui a besoin d'une bonne coupe de cheveux? Pas moi. Tout le monde, ne soyez pas timide, approchez. Encore un autre dossier à ouvrir. Vous avez mal quelque part ou vous êtes là pour nos services de chirurgie du visage? Troqué. Il pas faudra tout. De quoi me soigner. Ok. Commençons déjà par les 600 que tu me dois. Je te prends tout ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Rien. Donc moi j'ai eu ma petite dose d'XP. C'est absolument merveilleuse. Vous devriez passer. Ça c'est cool. À chirurgie, hein, nous achetons et vendons tout à tout le monde. J'ai des trucs super, des fois que ça vous tente. Ils ne sont pas tolérés ici. Écoute, on va bien voir. Voyons ce que vous avez. Je ne vends que du fait main, le bon gars. Hop. Que du fait main, justement, ça m'intéresse pas le fait main, c'est pas de chance. Ils vont aussi une carotte pour ceux que ça intéresse, c'est génial. Toi, je vais te faire le plein niveau munitions, tu vas pas le voir venir. Hop. Voilà. Alors. Hop. Merci, merci beaucoup. Hop. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce qui me reste sur moi en place? 205, c'est parce que je dois avoir des armes en plus que je peux donner à l'autre trou du cul. À mon chien. Ah merde, j'ai enlevé son arme. Hey. Bon, bah, c'est pas grave. Échanger. T'en trouveras une autre, mon pote. T'en trouveras une autre. Je vais donner des armes, du coup. Eh, je touche dans le bon sens, là, quand même. Merde. Hop, devenu sniper, non, je garde, le bang, je garde, le Fapman, je te le donne. Quoique, non, le Fapman, je le garde, parce qu'on en a besoin. Le Junk Jet, je te le donne, le Pistogel, je le garde, la Sulfateuse, je la garde. Bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et cette fois-ci, on peut y aller. Excusez-moi pour ce petit aparté, chers amis, on s'est quand même fait une belle quantité de crédit. Hop, on y retourne.
Alors. Ça faudra que j'en ai un, ça. Ça j'en veux un. Ça j'en veux absolument un. Dites-moi dans les commentaires le nom que ça porte, déjà. Sans m'en dire plus. Juste pour le plaisir de savoir quel nom ça porte. Dommage qu'on ait pas la... Dans ce jeu, qu'on ait pas la possibilité de porter deux petits flingues, ça aurait été vachement cool. Alors, retournons-y, recommençons, reprenons là où nous en étions. Hop, hop, et hop. Oh, c'est ouvert là. Bridgeway Trust. Oh, j'ai bien fait de passer par là, moi. Ah non, il n'y a plus d'armure, dommage. Boîte de cigares, pourquoi pas. Merci. Il va falloir qu'on remonte la rue. Oh, il y avait une jolie église là, j'aurais peut-être dû y aller. On ira le moment venu, ce n'est pas grave. C'est marrant ça, on dirait un bug. Hé hey. On peut monter ici. Je monte. Ça permet d'avoir un petit point de vue sympathique sur le... sur la zone. Hop. Sympa par là, dis donc. Waouh, les grandes tours comme ça. Pas mon genre. Oh, un coffre. Un coffre fort. Aïe. Bon, ça c'était raté. Ça aussi. Ah ah ah. Ah bah non, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop, c'était vers le bas, voilà. Joli. Ok, 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 non, ça je prends pas. Un lit de bébé, pourquoi pas. Lunettes de... What? Qu'est-ce qui a fait boum? On sait pas. Il y a un truc invisible ici, hein, je vous le dis. Il y a un truc invisible qui fait que je ne peux pas bouger. Ah, c'est le toit. C'est le toit qui me tombe sur la gueule, en fait. Ok. Ok, bon. On va pas descendre par là. Par contre, Yamakaki! Bibliothèque, on y est. J'ai la voix qui est partie en couille, mais on y est. Hop, allons-y. Attendez, je suis dans la bibliothèque ou je suis dans la station de métro, là? Métro, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Je trouvais ça bizarre aussi comme façon d'entrer dans une bibliothèque. Je l'avoue. Hop. Bon, bah on va passer par là où j'avais pas envie de passer. C'est fermé? Ça tiroille par là.
Hop. Où est-ce qu'il est? Amène-toi, espèce d'enflure! Et boum! Ça s'est joué à rien. Oh! Remets-toi! Hop! Par contre, c'est pas par là qu'on cherche. Ok, il y a une entrée par là. Ok! Oh, il faut une... D'accord. Intéressant. Cependant, je voudrais vérifier un truc. D'accord. Hop. Voilà, on est dedans. Génial. On a gagné notre niveau. Eh, d'ailleurs, oui, on a gagné notre niveau, donc on va retourner... On va essayer d'améliorer, on va essayer de retourner au truc d'essai du XMB là. Cependant, j'aime pas cet endroit. Il y a un protectron au fond. Je rentre. Je ressors, pardon. Maintenant qu'on a gagné notre niveau, on va essayer d'aller faire péter le truc. Alors j'espère que ça va pas me faire chier en me disant « Ah bah non, vous avez pas le niveau pour avoir le 1 mètre. » What? Alors déjà que le jeu me demande le niveau expert, j'ai le niveau expert, mais il me demande le rang supérieur. Alors si en plus il me la fout dans le fion derrière. Ah ouais, il me la fout dans le fion. Condition non remplie. Putain! Jeu de merde! Tu te fous de ma gueule, jeu de merde! Ok. Augmentation des prix dans ma faveur. En ma faveur plutôt que dans ma faveur. On va mettre ça là-dedans. Hop. Et on re-rentre pour la peine. Hop, voilà. Et on va aller tiroyer un petit coup. Par contre, faut que je regarde l'heure qu'il est parce qu'il faut que je puisse mettre. Faut que je pense à aller mettre vos vidéos en ligne. Ah, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Hop, on y va. Bien joué, Marcus. Attention, violation de sécurité près de l'entrée du métro. Nous conseillons aux visiteurs et aux employés de garder leur calme et de se mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'il m'a vendu? Ah, c'est un ennemi? Non, c'est pas un ennemi normalement. Eh, c'en est une. Oui, c'en est pas un. D'accord. Ça en son. Ok. Apparemment, je le touche pas. Emploi. Oula. Boum. Attention, violation de sécurité sur l'entrée du métro. Nous conseillons aux visiteurs et aux employés de garder leur calme et de se mettre à l'abri. Le payer. Allez, recharge! Ok. Ça m'aide pas des masses, hein.
Ah, je dois pas avoir les grenades de fête. J'en avais pris normalement des cocktails Molotov, grenades à impulsion. Ah. Hop. Ok. Je vais vous identifier et vous punir. Oh oui, punis-moi. Ok. Ne vous alarmez pas. L'ordre sera bientôt rétabli. Merci de patienter. Bon, bah ça en fait des ennemis au sol. Hein. J'avais dit un petit peu d'action. Je pense qu'on en a eu. Il s'agit hop. D'un emploi légal de la force létale. Ok. Apparemment, il me cherche encore. Il me cherche encore. Hop. Excusez-moi, j'ai toujours mal à la gorge. Malheureusement. What? Dylan? Non, pas Dylan. Ils ont eu Dylan. Je prends le scotch. Merci Dylan pour ton scotch. Ok, valise verrouillée. Hop. Génial. Rien d'intéressant, génial. Clé de la réserve de la bibliothèque. Terminal. Bon, allons voir. Commande de tourelle, commande de protecton, donc non. Ça devient de plus en plus difficile, on a pu mettre la main sur d'autres livres aujourd'hui pendant que les scanner. J'ai entendu Dallen dire à Shelby qu'on devrait simplement compresser les archives et filer d'ici. J'ai pensé un instant en lui en coller une, mais je ne peux pas tellement lui en vouloir. C'était difficile et on a perdu tellement de monde, mais ça en vaut la peine, non. Si on ne protège pas les connaissances stockées dans ces machines, qu'il fera? Donc, 18 jours plus tard, je leur ai dit qu'ils pouvaient partir quand ils le voulaient. Je ne vais pas les forcer à rester et s'ils ne croient pas en ce que nous faisons ici, mieux vaut qu'il ne reste pas dans nos pattes. Si on n'en récupère pas toutes les données, quel est l'intérêt? 18. On a encore perdu du monde, et notamment Shelby, elle nous manquera, mais je sais qu'elle aura voulu qu'on continue. Ce qu'on fait ici est très important, il reste encore énormément de livres, et ses connaissances aideront les générations futures, il faut continuer le travail. D'accord, il regroupait en fait, il compressait toutes les données. Je n'arrive plus à garder les robots en état de marche, leurs réparations sont trop fréquentes. Les mutants attaquent au moins une fois par jour et si on ne reçoit pas d'aide, ils ne tarderont pas à nous éliminer complètement. C'est peut-être la dernière entrée que j'écris dans ce journal. Si c'est le cas, j'aimerais simplement que les personnes qui liraient Céline achèvent notre mission et de venir protéger les informations stockées dans les ordinateurs de la salle de données. La clé de la réserve se trouve derrière ce terminal. Vous y trouverez du matériel qui pourra vous être utile. Par contre, merci de vous servir uniquement de si vous contribuez à notre mission. Intéressant ça. Oh merde, il y en a un qui est pas loin. Il y en a un qui est derrière la porte. Hop. Oh. Figurine parfait. Intelligence. Wouh. Génial. Dossier prendre. Ouais, c'est pas le dossier qui m'intéresse, hein. Ok. Pourquoi pas? Ok.
Ouais. Mine à plasma, fusil de combat. Hop. Purée minute. Génial. Ça peut toujours être pratique. Ça tire ouais à nouveau dehors. Livre en retard. Livre en retard, livre en retard. Plaque d'identification, il paraît qu'il faut les garder aussi. Ouh, il y a un truc qui est cassé au sol là. Non, j'aurais pas pu le prendre. Dommage. Hop. Oula, non, je voulais pas faire ça. Merci. Allons voir. Allons rendre nos livres. Je pense que c'est ce que tout le monde aurait voulu. On est là pour ça d'ailleurs au passage. Ok, bon. On fait ça. Rendre les livres en retard. Vous recevrez 5 crédits de récompense. Vous pouvez utiliser ces crédits pour acheter des objets sur cette machine. Oui. Ok. Ciseaux. Coût crédit 6. 1 en réserve. Le chirurgien des Massachusetts. 50 crédits. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est le chirurgien et le Massachusetts qui nous intéresse. Ok, c'est bon à savoir. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, nous faire trouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure et merci encore une fois à GameSite.com dont vous pouvez retrouver les liens dans la bannière de la chaîne et dans le descriptif de l'épisode qui m'a gracieusement offert ce jeu. Encore une fois, merci à eux. Et salut les gens, à demain pour un nouvel épisode. Hop, j'en chie, hein, je suis désolé. Hein.